Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur Wipeout de Wipeout moi, oulala, Wipeout 2048. Et voilà. Petit chargement que pas mal trouvent chiant. Voilà, qui dure quand même pas mal de secondes. Ça me fait penser un petit peu à Ultimate Marvel vs Capcom 3, sauf que Wipeout c'est bien pire. C'est même beaucoup 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 pire. Allez 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 allez. Ah, j'ai oublié, on va mettre la luminosité à fond, ça sera mieux. Voilà, on va pouvoir y aller. Donc il suffit d'accélérer avec R. Petit trou de mémoire. Voilà, très joli jeu. Je m'attendais à des couleurs un peu plus vives, encore plus pétantes, mais il n'empêche qu'il est quand même très joli. Allez, c'est parti. Par contre, ce que j'adore, c'est que pour une fois, il est pas difficile à jouer. Oula. Alors je sais que je ne joue pas très bien, en fait je regarde dans mon caméscope, je suis toujours allongé dans mon lit, c'est pas très facile à jouer comme ça, mais malgré ça, ça va. Donc c'est pour dire que contrairement aux autres Wipeout, au début, la prise en main est très, très rapidement facile à prendre en main. Même quand on touche les bords, ça nous ralentit pas trop. Voilà, il faut regarder une minute.
Après, vous avez différentes vues, un peu plus longues, ou directement. Comme ceci. Oula. Et voilà. Et après, il y a la possibilité de refaire une partie ou de sortir. Donc voilà. C'était Wipeout 2048. Et finalement, ben, après la démo, je pense finalement peut-être me le prendre parce que les Wipeouts sont quand même assez difficiles. Enfin, moi, je trouve que c'est assez difficile. De bien conduire parce que ça va super vite. Lui, il a l'air d'aller pour l'instant moins vite, mais je pense que ça ira de plus en plus vite dans les niveaux. Mais c'est que quand ça va très vite et vu les niveaux des anciens, souvent c'est si on n'est pas à fond dessus, qu'on joue pas régulièrement et qu'on connaît pas le tracé par cœur, qu'on se prend trop les murs, c'est injouable et c'est pas très amusant. Là, contrairement aux autres, le gameplay a l'air d'être souple et d'être mieux, je trouve. Après, il faut voir le jeu complet. Mais bon, ça me donne quand même envie de l'acheter. Voilà, donc je vous dis bah, à bientôt et puis bonne vidéo. Bye bye.